Solidaire d'abord, et sur le 1er mai de lutte, comme toujours, comme depuis très très longtemps. Alors on faisait rapidement un petit historique à l'instant, ensemble. Voilà, qui c'est qui a envie de se jeter à l'eau le 1er? Bon, le 1er mai, c'est la journée internationale de lutte du prolétariat, c'est-à-dire la journée internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses. Et ce n'est pas la fête du travail comme souvent les médias veulent nous l'affirmer. Donc historiquement, le 1er mai remonte à la fin du 19e siècle. Dans les années 80, 1880, aux USA, il y avait une des luttes syndicales très importantes. Et le mouvement ouvrier avait décidé d'ailleurs en 1884, je crois, d'engager une bagarre pour la journée des 8 heures et d'y parvenir dans les 2 ans. Et donc le 1er mai 1886, il y a eu des manifestations partout en Amérique avec des grèves très importantes, des centaines de milliers de grévistes. Et à Chicago, le 3 mai, je crois, devant l'usine McCormick, il y a eu des affrontements et la police a tiré. Il y a eu 3 morts. Et aussitôt, en riposte, le mouvement... Alors, à l'époque, c'était les socialistes et les anarchistes, deux grandes tendances du mouvement ouvrier. Quand on parle de socialiste, c'est socialisme au sens large. Donc, c'est pas, on peut pas le comparer au parti socialiste d'aujourd'hui. Et donc, ils ont appelé un rassemblement le 4 mai, je crois, et à Haymarket, ou le 3 mai, à Haymarket, la police, comment dirais-je, la police a tiré, et puis il y a eu aussi un attentat, en fin de manifestation, 200 manifestants contre 200 policiers, une bombe a été lancée au milieu des flics, et il y a eu plusieurs morts, et aussitôt, la répression s'est abattue, et je crois qu'il y a huit, ils sont les martyrs. Ouais, donc, les noms, je m'en rappelle plus, Peace, Engel, et puis je sais plus qui encore, qui ont été arrêtés. Simulacre de procès et condamné la majorité d'entre eux. Je crois qu'il y a eu trois perpétuités et puis cinq qui ont été pendus. Donc voilà, c'est les fameux martyrs de Chicago. Et donc en 1889, la deuxième internationale. C'était des militants anarchistes qui ont été. Je me permets juste de te couper sur un petit truc qui me revient. Il me semble qu'il a été dit d'ailleurs à ce moment-là. C'est peut-être pas eux les coupables, mais ça fait rien, il faut un exemple. Donc oui, en 1893, je crois qu'il y a eu une révision du procès, et d'ailleurs c'est le procureur ou un juge qui a déclaré que c'était un coup monté de la police. Oui. Donc il n'y avait jamais aucune preuve n'a été... Donc en fait, la bombe aurait été lancée sur la police par la police. On ne peut pas le prouver, quoi. C'est fort possible, oui. Ben oui, il fallait à tout prix discréditer le mouvement ouvrier, et... Voilà. N'empêche que ça a été dit en procès. Je ne sais pas si c'est en procès ou à part que... Mais les gens ont été libérés. Hein. Oui, ils ont été acquis. Ils ont été en question. Ils ont été acquis. Qui n'étaient pas tués. Donc en 1889, la deuxième internationale a décidé de faire du 1er mai une journée internationale de lutte, notamment pour la journée des 8 heures et tout. Et en 1890, il y a eu des manifestations un peu partout. Je ne sais pas s'il y a eu un truc en France, mais en France, je crois que le 1er mai, c'était en 1891, donc ça va faire 130 ans cette année, qu'à Fourmies, et la police a tiré sur la foule, quoi, en faisant des, je sais plus, 8, 10 morts, je sais pas, dont des enfants. Oui, comme vous le rappeliez tout à l'heure quand on préparait, dont des enfants, ce qui montre bien que c'était une manifestation, on suppose qu'ils n'ont pas mis les enfants en première ligne. Hein. Voilà, c'était... Mais non, parce que cette manifestation, elle était, j'allais dire, aussi festive. C'était, il y avait les manifestations pour redemander, en gros, les 8 heures de travail, les 8 heures de repos et les 8 heures de loisirs. Donc, c'était les triangles, les gens arboraient, j'allais dire, dans les manifestations pour, j'allais dire, bon,
reconnaître comme on peut avoir d'autres signes à d'autres moments. Oui, parce voilà. Que là, ce que tu rappelles, c'est que tout ça, c'était pour les 8 heures de travail. Oui, mais, c'est ça, c'est-à-dire la répartition, c'est-à-dire la lutte qui était menée, voilà. Et on en est encore, j'allais dire, à des luttes en ce moment qui devraient rappeler ces luttes-là, c'est-à-dire on devrait aussi réclamer la réduction du temps de travail de manière plus significative. Et là, il y avait des réunions, il y avait des repas qui étaient prévus, il y avait du spectacle qui était prévu, c'était une lutte, j'allais dire, on se battait de toute façon, mais aussi on pensait qu'il fallait aussi, pas forcément, vu qu'on réclamait aussi le loisir, que les travailleurs avaient aussi le droit de se distraire et de pouvoir... Et ça ne s'est pas passé comme ça, parce que de toute façon, il y a eu aussi des moments à fournir, par exemple... Une provocation aussi, j'allais dire, si je me rappelle bien, parce que c'était un secteur du textile, et qui vont provoquer en disant qu'ils céderont jamais sur rien. Voilà. En gros, le patronat, sauf un patron, je ne me rappelle pas, j'ai dû le lire à une époque, qui avait dit en gros que lui, bon, peut-être qu'il ne voulait pas se mouiller, voilà, et les autres ont dit voilà, qu'il ne céderait rien. Donc ça, le ton est un peu monté, bon, il avait eu des délégations qui allaient en mairie, qui allait en préfecture et tout. Là, il y a eu appel à l'armée. Et voilà, ça s'est aussi passé comme ça, voilà. Mais c'est pas les premières fois où il y a eu, on a tiré sur le peuple qui se révoltait. Hein. Michel, tu veux... Fondamentalement, l'histoire du 1er mai, c'est l'histoire du mouvement ouvrier, comme l'a dit Daniel. Et c'est surtout la lutte, bon, on est en 1800, fin du 19e siècle, donc, fin du 19e. Donc on est, le capitalisme a déjà étendu sa domination sur l'ensemble quasiment de la planète. Ça sera à tel point que la Première Guerre mondiale marquera de ce point de vue là, son hégémonie sur la planète. Et c'est cette bataille-là, ce symbole de cette bataille-là qui est menée contre le capital. Contre le capital pour arriver à pouvoir vivre de son travail simplement, etc. Et c'est cette symbolique-là qui fait que c'est devenu le symbole dans tous les pays. Et il y a aujourd'hui, depuis des années, dans tous les pays, des manifestations le 1er mai. Le 1er mai pour à la fois la solidarité ouvrière. Et elle démontre de ce fait l'unité mondiale de la lutte des classes. C'est-à-dire que partout dans tous les pays, quelles que soient les formes que prennent les gouvernements, eh bien, il y a toujours ce rapport. Tant que le capital sera là et tant qu'il continuera à exploiter, il y aura cette antagonisme de classe et elle s'exprimera en particulier le 1er mai. Et d'ailleurs, pour en revenir à la lutte internationale du prolétariat, des travailleurs, aujourd'hui encore, 130 ans après les premières manifestations du 1er mai, aux USA, le patron d'Amazon refuse que dans son entreprise, des syndicats s'implantent. Il y a en ce moment, je crois que c'est fini d'ailleurs, une consultation pour que les travailleurs d'Amazon puissent se syndiquer et puissent, avec la présence d'un syndicat dans la boîte, et la direction fait tout, met tout en œuvre pour empêcher que les salariés répondent favorablement à la consultation de mise en place d'une organisation syndicale. Et d'ailleurs, je crois que d'après les... Je parle sous le contrôle de tout le monde, il me semble que ça a été... Le résultat du vote est malheureusement négatif. Mmh. Voilà. Ouais. Donc, la lutte pour... on dit aujourd'hui, oui, les syndicats sont... il n'y a aucun souci. Non, c'est faux. La répression syndicale est toujours aussi terrible. Pas avec les mêmes méthodes qu'il y a 130 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'envoie pas l'armée, quoique maintenant, on le voit bien, dans le pays, les violences policières, elles sont là. C'est... Et partout dans le monde. Hein, quand... Alors, quand tu as parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé à Fourmies, Gilles, à Fourmies, il y a une dame qui a été tuée et qui avait une fleur, c'est ça. Et c'est pour ça que depuis, on portait avant une fleur rouge. Oui, c'était aussi le symbole, c'était la couleur, parce qu'en gros, c'était le sang de l'ouvrier, c'est-à-dire, c'est des couleurs qui ressemblent, et que j'allais dire, le blanc était plutôt donné aux royalistes et à ceux qui étaient, j'allais dire, les ennemis de classe, parce qu'il faut parler d'ennemis de classe. Michel le rappelait tout à l'heure,
On est contre une lutte, on est anticapitaliste, on est contre des luttes qui sont pour l'émancipation des travailleurs. Et que là, bah, il est vrai que le drapeau rouge ou le drapeau rouge et noir, pour nous en tous les cas, sont l'expression, j'allais dire, des couleurs qui représentent la classe ouvrière. Pour le sang versé et j'allais dire aussi pour j'allais dire la peine qu'ils ont aussi dans le travail qu'ils ont fourni. Mais ça, c'est vrai aussi que bon, c'est toujours d'actualité. Cette lutte, j'allais dire, contre le capitalisme, il n'a pas, on n'a pas gagné, quoi, encore. Malheureusement, c'est-à-dire, malgré les luttes des travailleurs pendant des dizaines et des dizaines d'années, eh ben, on a encore, j'allais dire, en train de se battre pour arriver à faire en sorte que, j'allais dire, la classe ouvrière au sens large hein, puisse, j'allais dire, vivre dignement de son travail et, j'allais dire, puisse jouir de toutes les, j'allais dire, de la vie en général. C'est pour ça que les grandes luttes qu'on peut mener aussi pour, j'allais dire, le service public, c'est en gros le bien-être pour les travailleurs. Ça veut dire la santé, l'éducation, j'allais dire, le loisir, parce que c'est aussi qu'on pourrait... Et on le voit aussi avec les périodes de pandémie où... là, actuellement, où on pourrait aussi se battre pour avoir un service public du médicament, par exemple. Donc, lutte des classes, portée plutôt par les syndicats, en tout cas pour le 1er mai, souvent, d'une façon... c'est un peu ce qui est mis en... ce qu'on voit, ce qu'on constate. Hein, c'est, les syndicats sont très présents dans une commémoration du 1er mai. Alors, comment l'appeler, justement, commémoration parce que moi, ça me gêne presque, vu qu'on a... quelqu'un à la tête de l'État qui n'arrive pas de commémorer. Ouais. Bon, voilà, il commémore ouais, tout. Alors, est-ce qu'il va commémorer le 1er mai? Je ne sais pas. Mais... Ben, moi, je ne sais pas si on emploie le terme commémorer. On oui. peut aussi penser que notre histoire, oui. elle n'est pas née de rien. Elle est, c'est la suite des combats que l'on mène actuellement dans nos syndicats. C'est la suite des combats que les camarades, eux, ont payé de leur vie, ont payé de leur... Donc c'est pas une commémoration, c'est une lutte qui continue. C'est une, pour moi, c'est une lutte. Alors bien sûr, on peut lui donner ce terme, parce que c'est un terme, pour moi, qui serait générique, mais j'allais dire dans l'esprit dans lequel je pense que les syndicats présents ici le portent, c'est plutôt pour dire, voilà, on est dans une continuité avec... voilà. Et on veut pas faire, j'allais dire, une fête comme... On célèbre le 1er mai à la limite, mais on ne le commémore pas. Oui, voilà. C'est ça. Ça veut dire que c'est quand même toujours en mémoire de ce qui s'est passé, et j'allais dire aussi pour... pas. Alors je ne sais pas si le terme est exact, mais en tous les cas c'est un peu difficile, mais y a un respect de classe, eux, qui fait que bon, les gens qui se sont battus avant nous ont le droit à toute la reconnaissance qu'on a, et les gens qui se battront demain encore, et après, pour pouvoir, surtout quand c'est pour, j'allais dire... que les gens puissent vivre dignement dans tous les mouvements qu'il y a eu. Et pour revenir un peu à ce que tu dis, enfin, l'interrogation que tu avais tout à l'heure par rapport à la fleur, elle est devenue blanche, puisque c'est le muguet qui est devenu symbole. Donc apparemment, sous Pétain, sous Pétain, et c'est le 24 avril 1941 d'ailleurs, que le 1er mai est officiellement désigné comme la fête du travail et de la concorde sociale et devient chômé. Donc c'est à ce moment-là que ça devient. Et en plus, à l'époque, donc, Pétain, la radio de l'époque, elle ne manque pas de souligner que le 1er mai coïncide aussi avec la fête du saint patron du maréchal, Saint-Philippe. Aujourd'hui, la fête, c'est le 3 mai. Mais à l'époque, c'était le 1er mai. Donc ça montre à quel point, comment... le pouvoir aussi à chercher à se sert de cette façon-là du 1er mai. De la même façon que certaines organisations pas très fréquentables, du moins ce qui nous concerne, organisent aussi des manifestations le 1er mai en prenant notre type de symbole. Mais, et en fait, de tout temps, pour empêcher à ce que les travailleurs arrivent à s'organiser seuls à prendre leurs affaires dans leurs mains, il y a toujours eu des gens bien intentionnés pour les détourner de ça. C'est le cas de, c'est aussi le cas de l'Église, etc. Donc c'est de, chacun va essayer de détourner les travailleurs vers des positionnements, voilà, qui sont
plus de collaboration plutôt que de combat de classe. Bon, alors, le 1er mai actuellement. Ben, le 1er mai se passe dans une période particulière, puisque depuis 14 mois, avec la pandémie Covid, nous sommes sous différents états d'urgence. L'an dernier, le 1er mai, malheureusement, c'était le confinement total. Les manifestations, c'était impossible. Il n'y a pas eu de rassemblement. On n'est pas descendu ni ici ni ailleurs. Dans notre pays, on n'est pas descendu dans la rue. C'est pour ça que on espère, l'intersyndicale d'Aubenas espère que ce 1er mai 2021, malgré la pandémie qui est bien réelle, les travailleurs, les travailleuses descendront massivement dans la rue pour faire entendre leurs revendications. D'autant que, on le sait tous, ce gouvernement profite de la pandémie pour mettre en place des mesures catastrophiques pour le monde du travail. La prochaine réforme du chômage. Qui doit être mise en place à partir du 1er juillet, les retraites aussi, ça viendra certainement. À partir du 1er juillet, on verra le niveau de vie déjà qui était très, très. Les prestations chômage étaient vraiment minimes, et elles vont encore diminuer drastiquement. Ça sera terrible si cette mise en place se fait sans réaction des concernés et puis de la classe ouvrière en général, parce que ça concerne tout le monde, on est tous concernés, quoi. Et puis bon, aussi, on a besoin pour la santé, pour les services publics en général, la santé en particulier, on a besoin aussi de grands plans de relance. Quand on le voit, les hôpitaux ils croulent sous les travailleurs de la santé, on peut plus, ils sont à bout, et les hôpitaux, les services de réanimation qui ont été dans des milliers, des dizaines de milliers de lits, je veux pas dire un chiffre, je peur de me tromper, mais ce sont des dizaines de milliers de lits qui ont été supprimés depuis des décennies, sur les gouvernements successifs d'ailleurs. Et même depuis, et ça continue parce que 7500 depuis le gouvernement Macron. Voilà, ouais. Donc ça continue, donc il faut au contraire consacrer de l'argent pour la santé, alors que là, on vient de déclarer, le gouvernement, qu'il y aurait création de 10 000 emplois supplémentaires de policiers, alors que déjà, les forces de police ou de gendarmerie dans notre pays par rapport à la population, sont les plus importantes des pays, À chaque fois qu'il y a des élections qui se profilent, ils nous parlent de, monter la sécurité, peuple soit. La sécurité, elle est aussi en liaison avec, ce qu'ils estiment des luttes qui peuvent être menées. C'est-à-dire que, recruter des forces de l'ordre c'est aussi prévoir peut-être qu'un maintien de l'ordre, c'est pas des canons à paix, on a pu donner un joli nom à une époque, là c'est du maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre avec toutes les interdictions que ça comporte. On le voit bien, on est dans un pays où quand tu veux sortir, même si tu es, conscient de cette pandémie, on va t'imposer, un certain nombre de règles qui ne correspondent à rien, un papier pour sortir. Je pense que c'est infantiliser les gens, c'est leur donner, c'est pareil. Il y a une espèce de roi dessus qui dirige et qui nous dit, il faut penser comme ça, faire comme ça et comme ça. En tout cas, c'est laisser planer un doute sur ta liberté individuelle. C'est pour ça qu'il y a eu des grosses luttes et qu'ils espèrent qu'ils lutteront encore sur tout ce qu'a été les lois liberticides qui sont, mises en application. Voilà. Il y a une raison fondamentale à ça. C'est pas un hasard si ce genre de choses se produit aujourd'hui. Le hasard, c'est l'arrivée du Covid. Ça, on est d'accord. Ça, c'est le hasard. Le reste, c'est pas un hasard. On est dans sûrement ce qui s'appelle la plus importante crise du système capitaliste que le monde ait connu. Et on va vers une aggravation de cette situation. À tel point que ça va être des millions de gens qui vont se retrouver au chômage demain. Et que face à des situations comme ça, l'ensemble des gouvernements de la planète sont en train de prendre des mesures qui d'ailleurs se ressemblent toutes les unes aux autres. Des mesures liberticides pour tenter de prévenir des explosions sociales à venir. Dans quelques mois, ils le savent, c'est pour ça que on a un état d'urgence qui est encore repoussé jusqu'au mois d'octobre. Il va y avoir des millions de licenciements, mais chez nous, ça va être une catastrophe. Aujourd'hui, si on prend un simple exemple,
dans les entreprises qui déposent le bilan. Il y a des moyennes chaque année, etc. On est, depuis 2020 et cette année, en dessous, mais très en dessous des normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la situation économique, elle vit sous perfusion. Et dès que la perfusion va s'arrêter, ça va être un effondrement gigantesque. C'est-à-dire que le temps qui n'a pas été, il va se rattraper. Et là, ça va être une hécatombe. Tu penses qu'il va essayer de faire durer ça jusqu'à l'élection présidentielle? Hein? Il va essayer de faire durer ça jusqu'à l'élection présidentielle. Oui, mais il n'y a pas... sous perfusion, en voilà. Alors, il y a effectivement le problème de l'élection, mais je pense que je ne sais pas... Du côté-là, ils intéressent pour continuer à pouvoir être aux manettes, oui. À pouvoir aider ceux qui les mandatent, hein, parce que ce n'est pas le peuple qui les mandate. Donc, ils vont essayer. Mais c'est surtout arriver à mettre en place toutes ces lois. On disait la dernière loi qui a été votée, elle remet en cause, mais... Jusqu'à présent, quand les salariés occupaient une entreprise, on occupe une entreprise, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, avec la loi votée, ils peuvent se faire arrêter et amener en prison directement parce qu'on n'a pas le droit, on n'aura pas le droit d'occuper une propriété privée. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on ne mesure pas derrière, bon, c'est les lois qu'ils sont en train de faire, les dégâts que ça va générer. C'est quelque chose de considérable. Alors, en même temps qu'il faut être aussi positif, c'est-à-dire que là, on fête aussi non seulement le 1er mai, mais les 150 ans de la commune de Paris. Hein. Première fois dans l'histoire du monde que le peuple prend ses affaires dans ses mains et met en route un système, en très peu de temps d'ailleurs, très rapidement, un système démocratique. Donc, cet espoir-là, il n'est pas perdu. Et au contraire, ce qui est assez étonnant, une façon de parler, dans toute la presse, on en parle, de la Commune de Paris. Et avec, par moments, des éléments assez intéressants. Hein. Je citerai les articles qu'il y a eu dans Télérama, j'avoue, j'étais très agréablement surpris de lire ce que j'ai lu par rapport à ça. Et donc, tous ces éléments-là se nourrissent. Et ça se rajoute aux crises qu'on a eues auparavant. Hein, et voilà, donc on est dans cette situation-là. Donc le 1er mai, c'est un élément important. C'est pas une fin ni un début, c'est une continuité du combat qu'il faut qu'on en... Alors, je suis obligé de passer à la dernière partie de l'émission parce que le temps avance. Et donc, alors le 1er mai qui vient, comment ça se passera aussi à Aubenas? Qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, l'appel de l'intersyndicale CGT, CNT, FSU, FO, Solidaire, donc l'ensemble des organisations syndicales présentes sur le bassin d'Aubenas, il y aura une manifestation qui partira à 10h de l'Agora. À 10h. Voilà, et qui défilera dans le centre-ville, voilà, et on invite l'ensemble du monde du travail, l'ensemble de la population, quelle que soit, son organisation syndicale, ses orientations politiques à descendre dans la rue pour justement exiger de ce gouvernement, comme le disait Michel, l'économie est sous perfusion depuis de nombreux mois, et ce qu'ils veulent, c'est nous la faire payer tôt ou tard. D'ailleurs, c'est pour ça, les contre-réformes du chômage, les contre-réformes des retraites, les salaires qui sont bloqués, etc., tout ça, c'est... Ils ne veulent... Ce gouvernement-là, comme souvent les gouvernements d'ailleurs qui arrivent au pouvoir, sont les fondés du pouvoir de la bourgeoisie. Donc, faire payer les riches, c'est pas possible pour eux. Donc, leur seul point de vue, c'est de frapper le peuple, quoi, de frapper à la caisse le peuple, même si aujourd'hui l'économie est sous perfusion. Donc il faut descendre massivement dans la rue. Comme disait Michel, ce ne sera pas une fin en soi. Le 2 mai, les problèmes seront les mêmes. Il faut continuer, il faut toujours... Nous, on est des syndicalistes, là, autour de cette table. Il faut... Moi, l'appel que j'ai envie de lancer, c'est de dire aux salariés, aux privés d'emploi, de se syndiquer. Pas de se syndiquer à la CNT ou à la... Non, se syndiquer au syndicat qu'ils veulent. Il y en a suffisamment sur la place pour ne pas être seuls dans leur boîte, déjà.
même si c'est pas parce qu'ils vont se syndiquer que tous leurs problèmes seront résolus, mais le fait d'être syndiqué, c'est de tisser des liens de solidarité avec d'autres et de pouvoir échanger des informations, s'organiser, lutter et éventuellement et surtout, si possible, gagner. Voilà, c'est très facile à dire, c'est plus difficile à faire, parce que le fait de se syndiquer, c'est pas prendre une carte à la sécurité sociale, considérer que tout seul, on peut pas grand chose face à son exploiteur, mais que tous ensemble, si on est unis, si on est syndiqués, on pourra avoir un rapport de force qui sera plus favorable. Voilà, j'étais un peu. Il ne faut pas oublier de voir que pendant cette crise, les milliardaires français ou étrangers ont eu leur dividende augmenté. L'Oréal, c'est des dizaines de milliards. Et pour les autres, comme Arnaud, machin, tout ça, c'est pareil. C'est des augmentations. Et après, on va leur dire qu'il faut que les gens se tirent la ceinture. Il n'y a pas d'argent pour la santé, il n'y a pas d'argent pour l'école, il n'y a pas d'argent pour rien. Et eux, pendant cette période de crise, parce que c'est ce qu'on dit, il faut trop. Et ben là, eux font des profits maximum. Ils ont, mais c'est en milliards. Je veux dire, c'est pas une goutte d'eau, c'est pas. Hein. Donc l'argent, elle existe. Il est quelque part. Il faut, le faire et aller le chercher où il est. Et il sera dans la poche des capitalistes et pas dans la poche des travailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Pour que l'argent revienne à ceux qui produisent et à ceux qui créent les richesses, et non pas à ceux qui en profitent. À bientôt. Bon. Au revoir. Bon courage. Bonne continuation, bonne lutte. Et vive le 1er mai. Et vive le 1er mai.